Bien. Voilà, mes chers compatriotes, la mission que le Seigneur Sabaoth m'a donnée, de mettre fin à la misère du peuple congolais. Ainsi, à partir de ce jour, le 4 janvier, la présidence de Mascara, de Félix Tshilombo, qui n'a pas été élu par le peuple, prend fin. Congolais. Sa présidence de Mascara prend fin, mais c'est un citoyen de ce pays. Il va vivre en paix ici à Kinshasa ou aussi de Kassai. Il choisit où il veut vivre en paix. C'est un citoyen de ce pays. Et moi, j'ai reçu la mission de produire l'abondance pour le peuple congolais. Félix Tshilombo aussi fait partie du peuple congolais. Ce que je lui reproche, c'est qu'il est marié à une femme rwandaise. Les Balois ont beaucoup de belles femmes. Lui n'a pas trouvé une belle femme à épouser. Les Balois sont les neveux de Bakongo. S'il n'a pas trouvé une femme au Kassai, il aurait pu venir dans le Bakongo chercher chez ses oncles. Non, il a épousé une rwandaise. Donc, sa présidente, le Mascara, parce qu'il n'a pas été élu, pour la fin.